Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et surtout laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 13 mars 2022, direction le sud-est de la France et l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Quatrième course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 4 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce fabuleux groupe 1, 200 000 euros seront à se partager entre les 7 premiers. Une fois encore, il va y avoir la guerre dès les premiers mètres de course, le parcours des 1609 mètres de la piste canoise avec un départ donné à l'autre de l'autostart à main gauche étant ultra rapide. En théorie, les cracks doivent tirer leur épingle du jeu et nous offrir un fabuleux spectacle et ravir les spectateurs chanceux présents sur l'hippodrome de la Riviera. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 8, Vivid Wise-As. Impossible d'aller contre la candidature de ce pensionnaire de la famille Gocciadoro. Piloté une nouvelle fois par Mathieu Abrivard, ce double tenant du titre espère entrer dans l'histoire en triplant la mise dans ce grand critérium de vitesse. En deuxième choix, le numéro 5, Delia Dupomereux. Elle est incontestablement le meilleur atout français et comptons sur Sylvain Roger, son entraîneur, pour l'avoir amené au top aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Coxtil, qui sera présenté par la famille Bondo et piloté par un Gabi Gelormini n'ayant pas son pareil pour prendre des départs fabuleux derrière la voiture. En quatrième position viendra le numéro 6, Étonnant. Anthony Barrier est aux commandes de ce pensionnaire de Richard Westering qui préfère certainement les parcours de longue haleine, mais qui peut se révéler aujourd'hui sur ce parcours des 1609 mètres. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Zakonjo. Ayant retrouvé les box d'Holger Ellert et piloté par Roberto Vecchion, il n'est pas incapable de profiter au mieux de son numéro 1 derrière la voiture. Au sixième rang, retenons la candidature du numéro 7, Vitruvio, deuxième atout de l'écurie d'Alessandro Gocciadoro, qui adore les pistes plates et les tracés réduits. En avant-dernier choix, le numéro 2, Bayakeno, sera retenu. La pensionnaire de Junior Gelpa, adore la piste de Cannes-sur-Mer et n'est pas incapable, à 11 ans, de faire le chou. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Alcoy. Épatant dernièrement et montant de catégorie, il peut le faire avec brio, d'autant plus qu'il est déféré des quatre pieds et présenté par la famille Martens. En cas de non-partant, le numéro 4, Billy de Bonfort, toujours aussi courageuse à l'âge de 11 ans, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé quarté quinté plus dans le désordre, les deux derniers affichant des rapports de 112 et 135 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la fameuse description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée, évidemment de manière privée, pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette fameuse Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de pouvoir espérer remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP à turf-fr.com.